J'ai passé l'examen de BOTA et ouais, je suis pas trop sûre de la réussite ou quoi. Enfin, j'ai répondu à des trucs. En fait, il faut savoir que le bilan de mes examens, c'est que bah, y a moyen et il y a moyen. Voilà, je pense que j'ai fait le meilleur bilan il y a quelques temps. On est le 21. Oh, Attends. Attendez, les gars, on est déjà le 21. Attendez. Je dois déménager dans. C'est une blague. Le 29, je dois quitter le JC. Bah oui, mais le 25, je dois déjà monter les affaires. Parce que le 29, c'est juste là. Attends. Yoshimi, c'est quand? Attendez. Attendez. Attends, je regardais mon horaire. Attends, 21. On est quand même là? On est lundi 21. 22, 23, 24, 25. Ok, donc vendredi, on vient me donner les clés et je déménage samedi. Mais attends, et comment j'étudie biochimie? Ok. Petite pause mentale pour me préparer. Mais... Ok. Les gars, je vous laisse. Je dois aller étudier vite fait pour pouvoir avancer en biochimie. En biochimie. Ah non, mais c'est incroyable. J'ai tout un week-end. J'ai un jour dans un week-end pour préparer. Mais non, en fait, je peux faire après le 28. Oui, mais le temps de nettoyer. Ok, bref. Voilà. J'ai eu l'examen de pharmaco aujourd'hui, je vais pas mentir. Je crois que j'ai raté cet examen. C'est l'un des examens où je suis sûre à 100% d'avoir raté. Tout le reste, je doute. Attends, est-ce qu'il y en a un? Ah oui, physiopathologie aussi. Je pense avoir raté. Donc voilà. Puis là, il est temps de faire ses bagages. Là, on est le 25. Le 25, le 26, 27, 28. Donc, dans 3 jours, je dois avoir déplacé mes objets, déplacé mes affaires. Bon, le studio est au 21 ans, donc je vais faire les petits packagings. Et puis voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur TikTok depuis que je suis rentrée, parce que j'ai décidé de créer du contenu sur TikTok. Et ça va être un peu ce que je vais faire aussi en début d'année pour YouTube. Au bout de que je vais lâcher YouTube, c'est... Bon, en tout cas, je dois faire les paquets. Préparer ma valise pour les vacances. Ouh. So, on est un peu dans le bordel. Je sors de mon lit. J'ai une équilibre merveilleuse aujourd'hui. C'est très impressionnant. C'est à discuter. Hein. Donc là, on met tous les bouquins dans le sac. Et je ne vais pas vous mentir, quand je vois tous ces bouquins, genre que j'ai commencé pour celui-là, qui parle de la mythologie grecque. Et que j'ai pas terminé parce que des études, blablabla, blablabla, et que j'ai mis tout ma thune dedans, quoi. Si vous saviez vraiment combien j'ai gaspillé pour ces bouquins. Enfin voilà, ça me. Même une brève histoire de truc de Stephen Hawking, si j'ai pas lu, ça m'énerve. Ça a tendance. Ah ben non, on va remplir parce qu'on n'a pas l'espace. Oh, mais. Un sac de prêt, hein. J'ai vraiment dans ma vie, il y a plus de bouquins. Attends, je pense que j'ai plus de bouquins que de vêtements. Non, cette année, j'ai changé le rythme. Parce qu'avant, je pense que j'avais plus de vêtements que de... J'avais plus de bouquins que de vêtements. J'ai que des petits sacs pour mettre dedans. Ça m'énerve. Tous mes sacs sont... Oh là là, déménagement, l'enfer. Bon, là, on est à 3 sacs... De... Non, 4 sacs. Enfin, 3 gros sacs comme ça de bouquins. Youhou! J'ai enfin terminé cette partie-là. Toutes les affaires sont juste en dessous. Demain, après qu'il m'ait donné les clés, je compte un peu faire tout ce qui est vêtements. Les sacs. Partout, il y a des sacs. Là, il y a une valise, mes plantes, mes bébés. Là, bien, je suis en train de préparer biochimie. Et il y a mes cartons. Très bonne. Ah non, mon téléphone m'a lâché. J'espère qu'il est venu m'aider. C'est bon, c'est pour l'enveloppe. Ouais, c'est pour l'enveloppe. Cool. Et qu'est-ce que t'en penses de moi? Bah, j'en pense que, franchement, les clés sont déjà grosses, je l'ai dit. Des très grosses clés, ça me fait. Un grand appartement, plus grand que la mienne. Attends. Grand, mon grand frère. Tellement t'es grand, j'allais dire mon grand. Il y a mon frère qui a découvert le studio. Quelles sont tes premières impressions? Et franchement, les gars, je vous vends pas du rêve, c'est vraiment incroyable. C'est 1000 fois mieux que tout ce que j'ai pu espérer pour moi-même et pour ma soeur. C'est vrai. C'est vraiment un grand espacieux, une terrasse, laisse tomber. De l'autre côté, il y a une vue mais magnifique.
Moi, je préfère la vue où c'est grand ouvert. Ma soeur, elle préfère la vue où c'est un peu fermé. Ouais. Après, je sais pas ce que vous... La vue de la terrasse, la vue de la terrasse. Oui, la vue de la terrasse. Ouais. Moi, j'aime, franchement, la vue de la terrasse, c'est pas... Ouais, c'est un peu moyen. Oh, ouais. C'est beau, hein, mais ouais. Moi, je préfère une vue plus élargie. Ouais. Et là, on va commencer à mettre les trucs en haut, petit à petit. Mes plantes. On a déplacé le truc, donc on voit un peu tout le truc qu'il y avait. Mmh. Moi qui étais en train d'étudier biochimie, enfin bref. Let's go, hein. Donc je te suis. Ouais, je te suis avec quoi? Attends, je te suis avec un sac de livres. T'es sûr? Ouais. Bah, ou la plante. Ah, bah la plante. Bah non. C'est la chimie, hein. Ouais, parce que ouais. Bah, je vais pas quand même partir comme ça. Attends, on va avoir un petit frère comme les autres. Ah oui, c'est vrai, ça va être chaud. Galère à sortir. Ouais, ça va être très... Oh, la plante. Et... Là, je suis. Et Carlos. J'aime trop moi qui prends le petit sac, pourtant c'est moi qui déménage. Ah, c'est pas professionnel. Ouais, c'est pas professionnel. C'est hein. Je me sens mal, hein. Je suis. Attends. C'est trop... J'adore cette expression, quel échec. Genre, ça, c'est la vue que mon frère ça, préfère. C'est une... Voilà. Et puis là, je sais pas si c'est. Oups. Ok. Et là, voilà la vue. Voilà ma vue que je préfère. So, voilà, mon frère, non, recule pas, t'es bien dans la vue. Hein. Il voit la vue au moins. Ouais, on a des. Ouais, ouais, c'est. Ah oui. Putain, ah oui, il y a le voisin d'à côté. Il y a le voisin d'à côté qu'on voit. On va se faire tous les matins. Ah, c'est incroyable. Exact. Et là, voilà, on a les meubles comme d'hab de base. Là, j'ai mis ma bibliothèque. Et là, on a la cuisine de manière externe. Donc, c'est-à-dire que pour les vidéos cuisine, pour le coup, ça va y aller. Et c'est genre... Je crois que ma première nuit, vraiment, genre, je vais me réveiller, je vais faire. Ah, je suis là. Genre, je suis là. C'est. Attends, c'est incroyable. Oula, attends. Ouais, attends. Ok, bah, peut-être que j'ai mal mis. En fait, tu sais que. Oh, ici, franchement, c'est éclairage parfait. Ouais, mais éclairage. Mais je suis désolée, là, tu vis. Je vais bronzer, je vais profiter des derniers. Ah, ouais, ouais. Tu vois, tu vas juste te poser là, tu mets cette chaise, parce que cette chaise on va la mettre dehors et on va mettre l'autre chaise à la place. Ouais. Tu mets cette chaise dehors et tu te poses là, frère, tu te détends. Je me détends vraiment, j'imagine. Regarde ma plante, comment elle est heureuse. Je la sens vivre. Et franchement, je sens que tu y crois pas, genre. Non, mais je te promets, genre. C'est trop bien. Franchement, je suis trop fière. Moi aussi, mais moi, je suis fière de moi et je suis fière que. Franchement, fier de toi, jusqu'à. On peut y arriver, quoi, et que surtout, on a la chance, tu vois, d'avoir ça, genre, parce que. À pas se mentir, voilà quoi, c'est... T'as quand même charbonné pour ça, hein, en vrai. Ouais, elle a vraiment charbonné pour ça, elle a... C'est vrai que j'ai pris des bonnes décisions. Mmh, t'as pris des bonnes décisions, bon... Parce que t'imagines si j'avais pas pris à temps, non mais non. Ah là là, non mais c'est incroyable, en vrai. Je te laisse vlogger, j'ai pas réussi. Bah écoutez les gars, on va vous montrer quoi ici, déjà avec ma tête là. Attends. Moi ce que j'aime bien ici, les gars, je vous avoue... Hey les gars! Tu vas nous cuisiner quoi? Des pâtes! Oh! Plus, toute la journée, je pourrais laisser la vitre ouverte comme ça. Mais ouais. Quand même, tu sais, genre, j'aime bien dormir sans vitre. Sans... Tu vois, surtout, oui, c'est mieux. Puis, Et les rideaux, comment tu vas faire? Bah, je vais laisser comme Est-ce que tu les as parlé du problème qu'on a eu là? Ah, pour les rideaux? Non, au niveau de. Comment ils ont laissé l'appartement, tout ça. Ah oui, mais je vais parler de ça. Ah, d'ailleurs, je vais faire des photos pour ça. Parce qu'il y a, en fait, ils n'ont pas totalement tout laissé clean. Donc, je vais faire quelques petites photos pour montrer. Voilà, voilà. Avec les sacs de livres. Hein. Les livres qui font plus que tous mes bagages. Je pense que c'est plus que mes bagages. Hein, plus que ce que j'ai. Oh là là. Tut. Tu fais pas de promotion de ta chaîne YouTube au cas où. Ah oui, je profite pour vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'affiche ici. Merci pour le montage. Tiens, attends, tu peux te filmer là. Ok, vas-y. Les gars, en vrai de vrai. Oula, qu'est-ce qui se passe? En vrai de vrai, je suis trop fier de ma soeur. En vrai de vrai, je suis trop fier d'elle. Franchement, elle galère. Oh, faut appuyer. Et galère de ouf à déjà ses examens, comme vous savez, et plein de choses. Vraiment, je suis content parce que vraiment, elle fait son mieux et ça, c'est le plus important finalement. Le 29, le jour où je dois terminer le déménagement, j'ai porté tout parce que mon frère n'a pas pu venir m'aider. Et en fait, le truc, c'est que là, je suis en train de faire le montage parce que je prends un peu de temps aussi pour juste monter la vidéo et je vais remonter ce matin, c'était pas très agréable pour moi. Donc je fais ce montage et quand je vois le message qu'il a mis et tout, mais vraiment vous savez pas à quel point ça me touche. En fait, un petit aparté, le rôle parfois d'une grande sœur ou d'un grand frère, c'est de montrer l'exemple à son petit frère ou de
de montrer que ce chemin-là est possible en fait, ou de montrer que tu as cette possibilité. Et je suis tellement heureuse, enfin déjà qu'ils soient fiers de moi, et surtout je suis hyper heureuse que en fait je puisse avoir l'opportunité par tout ce que je fais de lui montrer ce chemin-là. Et je suis très fière de lui aussi, hein. Lui, enfin bon, il fait des trucs extraordinaires, il se motive, c'est mon premier supporter en vrai. Et vraiment avoir une famille en or, j'ai pas tellement beaucoup d'amis, mais enfin, j'ai vraiment, on va pas se mentir, j'ai très peu d'amis en vrai. Mais ma famille, c'est... Enfin bref, c'est tout. Et parfois juste... Enfin bref, je deviens un peu émotive, mais en plus je dois terminer là, parce que là j'ai débarrassé le lit ce matin, j'ai porté moi-même le lit en toute indépendance. Mais voilà, enfin ça c'est pour le vlog d'après, mais en tout cas je rajoute cette vidéo-là. Et Carlos, si tu regardes cette vidéo, cœur sur toi, comme tu connais, you at the moment, je sais plus si c'était at the moment, mais bon, t'as compris. Suivez, nous comme on est en train de ranger la bibliothèque qui est juste là. Et puis t'as la plante, elle a décidé de tomber. Genre elle, de base, quand je l'ai mis dehors, j'étais là en mode la liberté, mais je vais aller la sauver en vrai, parce que là, ça va pas.